Racist. Legendary even in hell. Your suffering will be legendary even in hell. On vient tout juste de se terminer l'excellent The Evil Within sur PlayStation 4 Pro en New Game Plus. On a un petit peu chié vers la fin. Et là, j'ai envie de relancer... Pas relancer. Après avoir terminé l'excellent Nier Automata, que je vous recommande à tous... Hein, sur PlayStation 4, si vous pouvez jouer sur Pro, c'est encore mieux. J'ai reçu il y a 3 jours, j'ai reçu le Replicant, c'est-à-dire le premier opus qui était sorti sur PlayStation 3 et qui là bénéficie d'un espèce de remake, on dira plutôt remaster. Hop, chargement. Et du coup, quand j'ai appris l'annonce de ce remake remaster, évidemment, je l'ai attendu avec impatience. Alors, Square Enix, évidemment. On ne les présente plus. Hein. J'avais regardé des let's play d'Atomium sur YouTube quand il avait fait le walkthrough de Nier en fait. Et j'avais beaucoup aimé l'histoire. Le gameplay était un petit peu somme toute basique. Mais j'avais beaucoup aimé l'histoire, les personnages. Et donc là, de faire moi-même le jeu, ça me fait grand plaisir. On va aller vite fait dans les options, on va se mettre la difficulté en normal, les paramètres de jeu, bon la langue c'est quand même important, je crois qu'on va laisser en anglais parce que de ce que j'ai lu dans le test de GameCult, ça parle beaucoup pendant les combats, donc l'anglais va être un petit peu plus sympathique, même si évidemment je vous recommande chez vous d'y jouer en japonais. On verra, on changera peut-être. Pour l'instant je vais le laisser en anglais. L'affichage au niveau de la luminosité, vous commencez, c'est pas trop mal. Ajuster le paramètre jusqu'à ce que la seule image de droite soit visible. Ah oui, non, c'est quand même un petit peu clair chez vous. Voilà, ça me paraît pas mal là. Moi, chez moi, ça va être un petit peu sombre, mais c'est pas grave. Oui, je sauvegarde les données actuelles, évidemment. Bah, c'est parfait.
Et au niveau du son, on laisse tout pareil, sortie audio, stéréo, bah évidemment on va pas jouer en mono quand même. Bon, il y a peut-être des gens que ça intéresse de jouer en mono, ce n'est pas notre cas. Allez, j'ai hâte hein, de voir ce qu'il a dans le ventre ce remaster. Hein. J'ai rien regardé, je me suis laissé la surprise. Ça va être la cinématique là, normalement. Nouvelle partie. Oui, normal. On joue en normal. Ah, mon nom, eh ben je m'appelle Romain. Non, non, bah non. Je m'appelle Bosseron. Évidemment. Eh ben oui. Faire ça bien. Ah, ces menus de jeux japonais, mais oui. Oui, bah, c'est bon. Le nom Bosseron vous convainc-il? Oui. 22 décembre, la neige continue de tomber, alors Bosseron m'a dit qu'il restera avec moi jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Au fond de moi, j'espère qu'elle ne s'arrêtera jamais. Alors, c'est un jeu qui est assez méta. Je vais me répéter, mais c'est vrai que d'avoir vu le let's play d'Atomium m'a convaincu. Hein. J'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est parti. Et les musiques, délectez-vous. Je sens que ça va être à nous de rentrer en action là. Hein? Commande, appuyez sur carré pour attaquer et sur L2 pour parer. Ok. Get away, you freaks! I'll kill you all! Ok. You okay? I think so. I'm sorry. It'll stop in a second. I promise. But what about those monsters? Are they gonna come back for me? Don't worry, Yona.
I won't let those things anywhere near you. Sit tight. I'm gonna go see if I can find something to eat. Oh, and Yona. Yeah? Don't touch that book. Not ever. Got it? Got it. Alors évidemment, il nous intrigue ce bouquin. Damn, how many of these things are there? Ouais, c'est... Au niveau du stream... Au niveau du streaming, c'est mieux d'avoir laissé en anglais parce que j'ai pas le temps de... J'ai pas le temps de lire. Je vais t'oublier. Putain, mon dieu. Voilà, j'imagine qu'on reprend le gameplay là. Vous pouvez à présent utiliser la main obscure en appuyant sur L1. Ok. J'essaye de comprendre un petit peu le gameplay. À quel moment il l'utilise? Ok, je peux charger. Non, en fait il le fait en une fois. Ok. Et plus je charge, plus ça fait de dégâts. Ok. Là, un début très énigmatique. Quel est ce bouquin? Vous pouvez à présent utiliser l'explosion obscure en appuyant sur R1. Chargez une attaque. Maintenez les commandes d'attaque ou magie enfoncée pour charger vos attaques et modifier leurs effets. Vous pouvez faire ceci à n'importe quel moment lors d'une attaque combo. Je serai au niveau 15 dans 15 minutes. Ah voilà, maintenant je peux tirer avec le bouquin. Ou attaquer avec le... Bon, là c'est le tuto, hein, évidemment. Vous pouvez à présent utiliser Supplice Obscur en appuyant sur L1. Alors l'idée c'est toujours tirer un petit peu. Comme dans Nier Automata, qui est fantastique, hein. Si vous l'avez jamais joué, je le recommande, mais alors... Avec Bloodborne, c'est une de mes grandes révélations vidéoludiques. Hein. Les musiques, l'histoire, tout quoi. Bon là, je me suis fait un petit peu avoir, évidemment.
Au niveau du lock, je vois pas trop encore comment ça se passe. Esquive, appuyez sur R2 pour effectuer une roulade d'esquive. Continuez à vous déplacer avec elle pour sprinter. Voilà, c'est ça que je voulais savoir depuis le début. Bon, ils ont revu tout le gameplay. C'est beaucoup plus agréable à jouer. Alors le jeu a de ça qu'il est assez original, c'est que c'est un mélange de beat'em all avec une histoire très méta et en même temps aussi shoot'em up. Il y a des boules à éviter et il y a énormément d'originalité au niveau des combats, des monstres et puis surtout toute la force du jeu, bah, c'est les personnages, l'histoire et les musiques. Enfin bon, le jeu cumule les bons points. Oula, oula, oula. Là par exemple les boules, faut que je leur tire dessus pour pouvoir passer. Ouais, je vais être niveau 15, hein, Nictaras. Vous pouvez à présent utiliser lance obscure en appuyant sur L1. Voilà, ça nous intéresse plus. Alors on est vraiment parti tuto là. Oui, la bande son est ouf. Hein. Non, là, le jeu, c'est un orchestre, hein, je crois, un philharmonique. Hein. Bon, ça se sent. Hein. Bon, certaines cinématiques, j'aurais pas le temps de les passer. Hein. On va déjà se faire les petits. Ils sont peut-être trop nombreux. On peut passer par derrière. Bon, j'ai l'impression que c'est le gros hein, qui nous intéresse le plus. On va aller faire une petite attaque spéciale. C'est moi qui lock en fait. Je peux en cumuler. Merde, j'ai voulu faire une esquive mais j'ai pas pu. Voilà, 3. Et là je lâche tout. J'ai plus beaucoup de vie là. Toujours les jeux japonais un petit peu difficiles. Salut Paumé. Le jeu vient juste de commencer. Un grimoire nous a donné des pouvoirs. Et on est là pour protéger notre sœur. On ne sait rien du tout du personnage. Les musiques sont fantastiques. Jauge d'attaque. Lorsque vous combattez des ennemis de grande taille, des jauges d'attaque apparaissent parfois sur certaines parties de leur corps. Détruisez-les dans le temps imparti pour les vaincre. Très bien. Le chien vous re-salue évidemment. Alors il y a un temps imparti. Et voilà, je l'ai détruit. Vous voyez, il y a une espèce de countdown. Et ben, on est niveau 30, tu vois, Nictaras. Après, j'espère quand même qu'elle ne sera pas présente que pendant les combats, sinon ça va être épais. Non, c'est un jeu qui est drôlement bien ficelé. On retourne voir notre petite sœur. Alors, chose à noter, dans la version japonaise, c'était notre sœur. Là, c'est encore notre sœur. Mais dans la version européenne sur PlayStation 3, nous, on était le père. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est culturellement, on a préféré changer. Mais là, du coup, on est le frère. Yona, talk to me.
It's okay. I'm fine. What about you? Those guys were nothing. Okay, good. Hey, by the way, look at this. I found it while you were gone. Whoa. Is that a cookie? Here. We can split it. No, you take it. No. You need to eat too. Fine. I'll take the small half. No. Come on. You need to keep up your strength. Yona! Yona! Oh no. I'm sorry, I dropped the cookie. I didn't mean to. Yona? Why did you? Yona! Yona! We need help. Please, somebody, we need help! Help us! Oh, Yona. Petit temps de chargement. Est-ce qu'on en va rendre une autre cinématique? Alors, 1412 ans plus tard. C'est pas rien. Hein. Pas genre, bon, on se revoit lundi. Hein. Non, non, non. 1412 ans plus tard. All right, I'm heading out. J'ai fait une photo. J'ai fait une photo que je posterai, The Loser Band. En 13 heures, on l'a fait. Can I come with you today? On va pas pouvoir voir. Attendez. Better not. I'm probably going hunting. Oh. But I'll bring you back a book from the library, okay? Yay! Thanks! I'll see you later. Try and get some rest. Ok, j'arrangerai ça. Alors vous voyez là, on passe à des moments sur des plans 2D. Hein. Mais le jeu comme ça passe à des plans différents. Enfin, il y a beaucoup, d'idées. Hein. Là, on peut examiner. Mais je posterai la photo de... J'ai fait une capture. J'ai une herbe médicinale. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 100 balles. I should go to the library and see what Popola's up to. Je devrais rejoindre Popola à la bibliothèque. Je changerai mon... La façon dont est agencé le stream. Alors, à la bibliothèque. J'ai un petit radar, je vois ça. Hop là, est-ce que je peux sauter? Évidemment. Évidemment. Vous pouvez utiliser les boîtes aux lettres pour sauvegarder vos progressions. Il y a des boîtes aux lettres partout dans le monde, essayez de toutes les repérer. Ça marche. C'est une affaire qui roule. Petite save. Alors bien sûr on est sur un jeu japonais donc pour sauvegarder c'est rond hein, c'est pas la croix. Ok. Donc on va aller voir Popo la bibliothèque, ça doit être par ici que ça se trouve. Regardez-moi ce bâtiment. Je suis vitrier évidemment.
Est-ce que je suis vitrier? Alors je sais pas si c'est un oui ou un non. Bon, ils ont tout refait, hein. C'est un jeu PlayStation 3 à la base, hein. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi, coquin? Visiting Popola again today? Tu viens voir encore Popola? Bah ben, quoi, ça veut dire que j'y vais souvent? Ça te gêne? On n'a pas le droit de aller voir Popola? Ah non, c'est pas une cinématique. 1er décembre, Popola m'a envoyé un nouveau livre. Sur un grand arbre, c'est ça? Ah bah oui, là, c'est pas une bibliothèque de... Hein? Oui, eh bien, hein? C'est pas une bibliothèque de ça. Ah, tu m'as dit t'es vitrier parce que je suis pas transparent. Ouais, voilà, j'ai compris. Bon, Popola. Est-ce que vous voyez une Popola? Là, moi, je vois quelqu'un là-bas. On a une petite épée. Donc, on a une intro un petit peu intrigante et on se retrouve plus d'un siècle plus tard. T'as pas vu Popola? Popola asked me to organize the books, but I had no idea there were so many. Popola m'a... should have taken this job. Oh, je lis, hein. Popola m'a demandé de classer les livres de la bibliothèque. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait tant que ça. Je n'aurais jamais dû accepter. Ah bah tu m'étonnes. Elle t'a demandé de classer tout ça. Bon, laisse tomber, hein. Change de village. Il est encore temps. Hop là. Bon, Popola. Il y a une petite... Ça doit... il y a une petite porte. Allez, Popola, elle est là. Popola, elle est là. Et voilà. Good morning. How's Yona doing today? Bon, je vous traduis pas ça. Bonjour, comment va Yona aujourd'hui? Her cough's still pretty bad. Ça tout ne s'arrange pas. Mm, that's worrisome. C'est inquiétant. I know. Je sais. I keep hoping she'll at least get a little better, but... Ce que je peux faire, à la limite, vite fait, c'est de déplacer ma cam. Je vais prendre le dossier triptyque. Et on va se foutre là. Voilà. Voilà, là, on est bien. Là, on est bien, on est bien, on est bien. Hein. C'est quand même plus agréable. Je continue d'espérer que son état finisse par s'arranger un peu. Ah, elle est quand même malade. Alors, est-ce qu'on est les mêmes? Hein, c'est ça le truc. Est-ce qu'on est les mêmes personnages qu'on a vus un siècle plus tôt? Je continue d'espérer que son état finisse par s'arranger un peu, mais... I don't know. I feel like I'm failing her. Oh, stop that. You're the finest brother a girl could hope to have. J'avais oublié d'enlever le truc d'Evil Within. T'aurais pu me le dire. Hein. Je suis pas aidé. Arrête, tu es les frères dont rêverait n'importe quelle petite fille. Anyway, I was hoping you might take care of this for me. Oui? I got a request from someone in the shopping district. They need you to get some mutton from the northern plains. Non mais attendez, moi j'ai acheté un jeu à 60 boules, c'est pas pour aller chercher des moutons. Got it. I'm on my way. Bon, since you're going to the plains, let me give you a map. On voit bien que c'est pas lui qui a acheté le jeu. Trust me, it'll come in handy. Merci bien. Vous avez obtenu cette carte pleine septentrionale. Appuyez sur 1 pour afficher une carte de la zone locale. Vous devez obtenir une carte de la zone avant de pouvoir la voir. Oh, bah, très bien. And one more thing. Alors, on va voir si elle est destinée au charbon, celle-ci. Would you mind purchasing 3 medicinal herbs from the client while you're at it? Bien sûr qu'on peut acheter ça, on en a déjà une sur nous, on peut te la donner tout de suite, Popola. I used my last one earlier. Eh ben c'est du propre. Elle m'a donné 1000 balles, on va s'acheter autre chose. Well then, buy some for Yona while you're at it. Ça marche. It's okay. Really. OK. Une dernière chose. Thanks, Popola. For everything. What's this all about? Just the way you and the other villagers always take care of us. We really appreciate it, is all. Think nothing of it. People need to look out for each other, right? Ils ont redoublé tous les personnages. Hein. Besides, everyone here wants to see Yona healthy and happy. So hang in there, okay? Ça marche. I will. On va s'accrocher. On a l'habitude. Bon, les moutons. Attendez, qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Yona? Oh, hey! Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est pas censée être malade? Yona, you're supposed to be in bed. Oui, voilà. See, now your ribbon's all undone. I'm sorry. I just thought I'd see if the library... On veut pas des excuses. On veut des résultats.
Je me suis dit qu'il y aurait peut-être des livres sur ma maladie à la bibliothèque. Fiona. Look, don't worry. You're gonna be fine. You just need to eat and rest. If you take good care of yourself, you'll get better. You really think so? I know so. Anyway, I've got work to do, so I need you to head home. Deal? Deal. Bon, ça va, elle est conciliante. Elle est pas bagel, ça va. Elle obéit bien son frère, ça me fait plaisir. Même là, la petite musique, là, avec les petites bells, les petites cloches, c'est sympathique. People say the world is dying. Populations continue to fall, while plague and disease run rampant. If that wasn't enough, monsters called Shades now roam the land as well, threatening our very lives. But I can't let any of that distract me. My sister is sick, and my only goal is to ensure that the two of us survive. It's not easy for a pair of kids to live on their own. But the villagers have been kind to us, and despite everything, somehow I feel like we're gonna be okay. We have to be. There's no other choice. Bon, voilà, le décor est planté, hein. Ok, donc ils nous ont dit qu'on pouvait avoir accès à la petite carte. Je me trouve ici. Et elle nous a dit d'aller sur les plaines septentrionales, hein, c'est bien ça? Et le village de... C'est marqué village de Beauceron, hein. Ils sont sympathiques. Ces petits trucs qui font plaisir. Alors il y a une histoire de moutons, hein. Faut qu'on récupère les moutons. Ouais, on a bien fait de mettre en anglais. Comme ça, moi, j'écoute et j'entends en même temps. Pas besoin. En japonais, je préfère évidemment quand je joue seul, mais là, c'est un confort. Je vais m'arrêter là, moi, je vais me garder la surprise pour demain. Bon, bah très bien. On a streamé quoi? On a streamé 32 minutes. Très sympa, c'est vrai. Si vous voulez, comme c'est la petite intro, on peut s'arrêter là. Et puis, demain, 9h30, on continue. S'arrêter l'introduction et dès demain, on chasse du mouton. Comme ça, on aura streamé 1h30, hein, ça c'est parfait. Mais bah, on fait comme ça, hein. On a fait le petit préambule, on s'est fait le petit prologue. Et puis demain, 9h30, on voit ce qu'il a dans le ventre. Mais vous allez voir, vous allez être surpris. C'est sous ses airs un petit peu enfantin, ça ne l'est pas du tout. Je ramène Léa demain, je pense que ça peut l'intéresser. Ok. Bon bah très bien, j'en suis ravi. Vous allez voir, sous ses airs un petit peu enfantin, les Japonais vont bien souvent plus loin. Et c'est ce qui me plaît dans tous les jeux japonais d'ailleurs. Les gens souvent ne le savent pas, mais c'est bien plus profond et bien plus moins con. Voilà, c'est un peu comme les thrillers coréens. C'est très très bien, très profond bien souvent. Ce n'est pas que l'enquête, hein. Il n'y a pas qu'un meurtrier à trouver, il y a autre chose. L'histoire est bien plus profonde. Et les personnages ont plus d'épaisseur. Allez, je vous laisse sur mon excellent générique de fin qui est nouveau, je vous le rappelle. Et je vous dis à demain. Et je vous remercie d'avoir été là, The Losers et Nictaras. Et tous ceux qui sont passés voir le stream. Voilà, sans intervenir. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des viewers. Allez, je vous embrasse bien fort.